Les grandes familles Effon, Epen et Aoum de Mokleou dans la plaine d'Embo, Canton Sans, vous invite à suivre les cérémonies funéraires de Papa Fonquin Augustin, Papa Fonquin Félix, Maman Macron Christine, de Papa Taz Martin et Maman Quin Emilienne, ainsi que tous ceux qui les ont précédés dans l'au-delà. Ce vendredi 4 février 2022, le décor est planté. Les alus annoncent l'avènement d'une cérémonie exceptionnelle. C'est le début de la grande tournée. Mais ici, nous allons privilégier notre feu. Donc, c'est le feu de la tradition. D'accord. C'est le bon coin. Voilà le bouillon de pomme. La viande de pomme. Et la comme de coutume, beau sans eau, la notabilité dans le temps. Thank you.
dans les QG, c'est le bal des vétérans. Des pique-niques, on trinque, on se ressasse des souvenirs. Certains autour de l'écran géant, d'autres dans les loges. Bref, il n'y a pas de place au sommeil. Ensuite vint le jour dit. Samedi 5 février 2022, Mokolom s'ouvre aux visiteurs de grand jour. L'on assiste à un ballet d'arrivée de hautes personnalités, d'invités de marque, des amis et collaborateurs, sous la conduite d'un protocole mixte et d'une sécurité parée. Deux arrivées cristallisent les attentions, celle de la chefferie supérieure sans eau, qui accueille la plus haute autorité administrative de la région. Excellence, nous voulons vous assurer que vous êtes déjà arrivé chez nous et que vous êtes bien assis. Et si on prend le frère en nous, nous sommes un peu plus. Monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest, dans son état-major, le préfet de la Menoua, le préfet d'Undé, le sous-préfet de Santou et bien d'autres autorités administratives. C'est le début du cérémonial traditionnel sous la conduite de Sa Majesté Ewane Mathurin, chef du village Mokolorum et de tous les dignitaires de ce village. L'on procède à l'ouverture de la cour avec l'onction de la chefferie supérieure, comme il est de coutume chez les Mbo Sanzo. Pas de danse de ce gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonko-Gostine, de
Monsieur le préfet du département de la Menouan-Boké-Goulantua, le sous-préfet de l'arrondissement de Santou, Jean-Louis Toutou, le préfet du Ndé et Itapa, et la chefferie supérieure, le représentant du chef supérieur. C'est donc la fin de ce cérémonial d'ouverture de la cour conduit par Sa Majesté Ewane Maturin, chef du village Mokolo. Multitude de réceptions offertes par les fils et filles des grandes familles qui a donné une coloration festive assez particulière à ces funérailles, avec l'arôme musical en large des sonorités du terroir des artistes bien connus. Une dose d'humour de caisse chaud ou bien digéré. Oh!
je me confie dans le monde de l'homme. Et je vis dans le monde de l'homme. Monsieur le Président Adrien, je suis le profil du monde de l'homme du monde. Je suis le monde de l'homme. En tant que ministre de la promotion de la femme de ma famille, poste de ma famille. Je me profite, je me tourne dans le monde. Je me tourne dans le monde. Je me tourne dans le monde. Je pense que ça n'est pas tombé dans le monde. Je me tourne dans le monde. Je sa première fois, oui. Elle était morte là. Depuis, ça va aller. Ça va aller. Ma personne. Oui. On va te voir. On va Un homme aura suscité toute cette mobilisation. Adrien Epente, administrateur civil principal, inspecteur général de la région de l'Ouest, donc proche collaborateur de Monsieur le Gouverneur. Notable. Sa loyauté à la chefferie est sans nuage et partant, sa casquette d'élite de premier plan est sans équivoque. Ce qui lui a valu d'abord à lui et à ses défunts parents les honneurs de deux ordres, ceux de la plus haute autorité administrative de l'Ouest qui ne s'est pas fait représenter. Monsieur le gouverneur lui-même, pour une grande première, est descendu au cœur de la tradition sans eau. Des honneurs encore, ceux de la chefferie supérieure sans eau, qui a exceptionnellement exécuté le rituel de bénédiction à l'endroit d'un fils dont la bravoure s'est illustrée dans l'organisation de ses funérailles. On fait ça d'abord. Je ne sais pas par où commencer. Les gens pensent qu'on est toujours inspiré. Il y a des moments et des endroits où
Même l'homme intellectuel ne sait plus quoi dire. Fou de joie. Fou de joie. Mais comme moi, je suis un otage. Je ne suis pas un tricheur. Ah, merci. Mais je suis un copieur de ce qui est bon. C'est pourquoi je vais copier la sagesse. C'est ça. C'est un grand président américain qui disait que quand tu es très content devant des gens, si tu n'as rien à dire, dis un discours en deux paragraphes. Dans le premier paragraphe, tu dis merci. Voilà. Sans l'aise. Ça y est. Ah, qui est plus long que le deuxième? Tu dis merci beaucoup. Tu n'as pas dit le content. Mon discours est fini. J'aurais dit merci d'abord pour mon absence ici. Dans nos traditions, on fait d'abord pour le genre de case que je vous ai fait. Mais vous savez, il y a des contingents, des gens comme nous qui marchent. Si vous n'avez pas la lucidité, la chance d'avoir des gens qui vous conseillent, qui sont autour de vous. Il y a des choses qui vous disent, qui pensent qu'ils sont les plus importants, ils ne vous disent pas celles qui sont plus importantes. C'est vrai. Vous le noyez. Mais moi, c'est moi, le chef de l'homme, mais qui a un mec que vous laissez. Et Dieu merci aussi par la force des choses, le gouvernement, la mairie, que cette route, qu'on arrange un peu comme on a vu. C'est ce qui a permis à beaucoup de vous d'être là. Et le gouverneur aussi. Donc, je voulais vous remercier pour vos prières qui ont permis que cette œuvre se fasse, que vous arriviez ici sans beaucoup de difficultés. Maintenant, je dis que pour m'asseoir, vous me connaissez, non? Dès que vous êtes quelque part, je viens d'abord. D'abord, vous avez été le premier à être invité à cette réunion. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a quelqu'un ici qui dit qu'il a eu le billet avant vous. Personne qui le dit. D'ailleurs, je ne vous en ai pas donné. Tu m'as rien donné. Maintenant, si le chef, il ne peut pas me tuer. Je vais dire quoi? Pas maintenant, non, le père. Ouais, le seul qui est non parti. Le voleur est non parti, je suis à joie. Donc maintenant, si vous voulez me tuer, le patron est parti. Qui est notre patron? C'est même d'abord le premier patron, je suis supérieur. Il le voit plus comme moi. C'est ça! Il le voit, Dieu fait les gens qui ont le pouvoir, les gens qui. Donc il savait que. On te donne une chanson, une chanson. Une chanson, ici avec vous. Après, quand vous allez m'excuser, je vais aussi aller voir le village. Je suis né
Traditionnels des initiés de divers ordres, comme dans un festival, sont venus clôturer les festivités au grand bonheur de la famille. Et là, c'est l'arrivée de la chefferie de Supérieur qui entre sur la scène maintenant avec le chef supérieur en tête des troupes. Et vous voyez derrière là, c'est la loge des chefs qui vient maintenant continuer les obsèques qui ont commencé depuis la chefferie supérieure. Vous voyez le chef supérieur derrière lui, toute une ligne des chefs sans eau qui viennent maintenant donner l'encens traditionnel, la plus haute à cette cérémonie qui a connu la présence des officiels les plus hautes de la région de l'Ouest, à savoir le Gouverneur. Et maintenant, c'est la grande loge traditionnelle avec les têtes à cheveux. Come on.
du Congo Shiza. Thank you.
Cela témoigne aussi d'affection avec toute sa famille, avec sa grande sœur avec qui je suis ici là à côté, avec qui on a partagé des bons moments à tout le temps et des moments difficiles. Si c'est arrivé au terme, nous vous remercions et vous également, vous qui avez couvert cet événement à travers votre journalisme professionnel. Vraiment, les mots me manquent pour qualifier vraiment l'événement d'avant-hier, hier, ce matin, et pourtant, celui de l'après-midi. Vraiment, ça, vraiment, je suis tellement ravi. Je suis organisé, nous sommes là pour faire le funérailles de mai 10 et père. Vraiment, je crois que avec la bénédiction qu'ils nous ont donnée, les choses iront très très bien. Et tout se passera très bien sans inquiétude. Vraiment, c'est la qualité, l'amour, l'accueil. Je suis vraiment content de vous recevoir aujourd'hui. Puisque je vois toutes les femmes qui sont venues depuis hier, se sont mobilisées avec mon village plein de collines, qui se sont mobilisées pour venir aider ma grande sœur à faire le funérailles de sa belle-mère et de son beau-père. Et elles sont vraiment satisfaites.
plusieurs, on était des danseurs, on a dansé ensemble, on a partagé le petit riba qui était là. Aujourd'hui, on continue à partager et je sais, j'espère bien que le Seigneur doit nous protéger et nous doit nous donner la chance que chacun puisse, que je sois dans les bonnes conditions. L'aménagement de la route, la construction des nouvelles maisons, le quartier est devenu très beau, l'aménagement du pont, tout et autres. Vous voyez. Les funérailles chez nous, c'est un peu comme une expression d'action de grâce envers le Seigneur, parce que finalement tout est grâce. Le Seigneur nous a donné des parents, des grands-parents. Il les a repris, nous nous rendons grâce. Et nous rendons grâce de nous avoir permis pour l'ensemble de les enterrer. Parce que même si la mort c'est quelque chose de douloureux, nous pensons que il vaut mieux toujours avoir la grâce d'enterrer ses parents. Nous avons enterré nos parents, nos grands-parents. Nous sommes heureux aujourd'hui de leur avoir rendu, on va dire, très bien. Et spirituellement, une action de grâce. Parce que nous avons commencé ceci par une célébration eucharistique, dans une messe. Ensuite, aujourd'hui, des funérailles, des cérémonies traditionnelles, conformes à notre tradition. De façon spéciale, je voudrais dire merci d'avoir à toute ma famille. Premier rang desquels le chef de famille, qui est mon petit frère, qui nous a tous réunis, qui a permis, qui a piloté l'organisation de cet événement que nous avons programmé il y a 2 ans. Vous savez, vous trouvez 2 ans toujours très longs, mais après, vous trouvez que toujours très court. Vous avez toujours besoin d'un peu de temps pour être prêt. En fait, finalement, vous ne serez jamais prêt. Et grâce aux amis, à votre entourage, vous arrivez à célébrer cet événement avec faste, comme ça a été le cas pour nous, c'est l'occasion pour nous de dire. Et pour moi particulièrement, merci d'exprimer une très profonde gratitude à la surprise très heureuse que vient de nous faire ce gouvernement de la région de l'Ouest, qui est mon patron, d'avoir bravé cette route qui n'est pas facile pour arriver à Rocléon. Lui-même et à toute sa suite, à sa charmante épouse, à tous mes collègues, à tous les préfets, les sous-préfets, mais je préfère ne pas commencer à citer les gens, de peur de m'oublier. Ils étaient là, ils ont lu dessus mon visage l'expression de ma profonde gratitude à ce que c'est mon épouse. Je voudrais dire merci particulier au chef supérieur Sanzo qui a envoyé son patron, accompagné tous les chefs de notre groupe. Je dis merci aux autres chefs de groupe Mambo et même à Mneke qui était là. Vraiment merci à tout le monde. Merci à ma famille, nous sommes très très émus, on est encore sur le coup d'émotion. Les événements qu'on se poursuivre encore sur le plan traditionnel, mais l'essentiel est déjà fait. Merci à tout le monde, merci aux médias, merci à tous nos amis, merci franchement au village de Mokéo qui a pris cette cérémonie à main comme celle de tout le village pour en faire une célébration fantastique. La date du 5 février 2022 est donc désormais inscrite dans les annales de l'histoire du village Mokléoum en particulier et du canton Sanzo en général, comme étant le jour des premiers funérailles à avoir connu la présence du gouverneur de la région de l'Ouest accueilli par la chefferie supérieure Sanzo.